C'est un spectacle qui commence presque à se banaliser dans les rues marocaines. Sortir manifester n'est plus un grand événement depuis quelques années. Les études le prouvent. Le Maroc est passé d'une moyenne de 2 manifestations par jour en 2005 à plus de 50 manifestations quotidiennes en 2013. Autrement dit, plus de 20 000 rassemblements ont été organisés rien que l'année dernière. Les motivations de ces rassemblements sont bien sûr sociales et ce sont les revendications liées au travail qui se taillent la part du lion. Il y a ensuite la question du logement, puis la colère face à la marginalisation. Plus de la moitié de ces rassemblements se tiennent dans les grandes villes et c'est Rabat qui enregistre le plus de protestations. Rien de plus normal, la capitale concentre les différents groupes de diplômés chômeurs. Il faut aussi compter le nombre élevé de fonctionnaires. Enfin, beaucoup de manifestants n'hésitent pas à faire des heures de route pour donner une symbolique à leur mouvement en protestant devant le siège du Parlement.